Assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne YouTube ainsi que le site internet de Vidéo Info Fumbuni. Nous allons vous proposer un petit TP des niveaux CAP qui concerne aussi les collégiens de la classe de 3e. Devant nous, nous avons deux élèves d'une classe de CAP Petite Enfance qui vont nous montrer le fonctionnement d'une lampe de poche et répondre à la problématique suivante. Vous avez une lampe de poche qui fonctionne avec une ampoule. Vous voulez l'adapter avec une deuxième ampoule pour que vous soyez mieux vu la nuit. Ces deux jeunes filles vont nous montrer en premier le fonctionnement d'une lampe de poche avec une ampoule, un interrupteur et une pile. Et après, répondre à la problématique à travers deux montages différents et nous dire quel est le montage le mieux adapté pour être mieux vu la nuit avec une lampe de poche qui est composée de deux ampoules. Je suis avec Laetitia et Julie, deux élèves de CAP MB. Elles vont nous présenter ici le fonctionnement d'une lampe de poche avec une seule ampoule et un interrupteur. Allez-y, c'est à vous. Donc on va brancher un fil de connexion à la pile. On va rallumer l'ampoule. On a trouvé qu'on va relier l'ampoule à l'interrupteur. Et encore, on a trouvé qu'on va relier de l'interrupteur à la pile. Alors là, est-ce que votre interrupteur, il est fermé ou ouvert? Il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Donc pour faire fonctionner la lampe, il faut il faut fermer. fermer. Voilà. Et voilà. Bravo. Merci. Alors, vous décidez maintenant d'adapter votre lampe de poche à une deuxième ampoule pour que vous soyez mieux vu la nuit. Proposez deux montages possibles pour que vous soyez mieux vu la nuit avec deux ampoules. Alors, nous allons voir Julie qui va nous proposer le premier montage. En série. C'est montage en série, c'est ça, Julie? Oui. Voilà. Donc là, relier un fil à la pile et à la lampe, un autre de la lampe à l'interrupteur, un autre de l'interrupteur à la deuxième lampe et de la lampe à la pile. Je vais fermer l'interrupteur pour pouvoir éclairer les deux lampes. Voilà. Voilà, on voit que les deux lampes sont éclairées. Vous laissez le montage comme ça. Maintenant, Laetitia va nous proposer le deuxième montage, qui est montage en Dérivation. dérivation. D'accord. Donc je vais mettre. On va recommencer. Pourquoi j'arrive pas là? On va brancher un fil, relier un fil de la pile à la première lampe, un autre de la première lampe à l'interrupteur. Et un autre de l'interrupteur à la pile. Ensuite, je vais prendre. Ils sont courts les fils. Je vais prendre un autre fil que je vais enlever de la première lampe à la deuxième lampe. Et encore un fil que je vais relier de la deuxième lampe à la première lampe. Donc la deuxième lampe est en dérivation par rapport à la première lampe, c'est ça? Oui. Maintenant, je ferme l'interrupteur Oui. pour voir. Alors, parmi les deux montages, quel est le montage qui vous permet d'être mieux vu la nuit? En dérivation. En dérivation, pourquoi? Parce qu'on voit bien que les lampes brillent plus que en Que série. le montage en série. Merci. De rien. Bravo.